Ce samedi, les Républicains de Guadeloupe prenaient part au débat sur un éventuel changement de statut. La fédération organisait un colloque avec plusieurs experts à Pointe-à-Pitre. Alors, l'intérêt d'une telle rencontre citoyenne, premièrement, c'est mettre en œuvre l'article 4 de la Constitution qui dit la chose suivante, c'est que les partis politiques doivent contribuer à la promotion du suffrage universel et que les partis politiques doivent contribuer au pluralisme politique, c'est-à-dire donner le choix aux citoyens de dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que la question institutionnelle, la question statutaire, revient à l'ordre du jour et il est toujours important sur cette question-là d'informer la population. Et moi, il y a un élément qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous ne soyons jamais dans la politique obscurantiste, c'est-à-dire qu'on puisse cacher des choses aux citoyens ou qu'on puisse dire moins le peuple comprend et mieux ça va pour nous. Pour la présidente de la Fédération guadeloupéenne, tout ceci doit se faire de manière ordonnée via un référendum populaire tout en amenant des idées rafraîchissantes. Après une présidentielle qui a été perdue, on a résisté au niveau national, à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois que les républicains, la droite républicaine a voulu se construire, il y a toujours eu des tentatives de déstabilisation de membres même de notre famille politique. Donc on essaie de se reconstruire et puis surtout de faire émerger une nouvelle classe politique, faire émerger d'autres personnes que celles que nous avons l'habitude d'entendre tout le temps. Moi, je crois que les Républicains ont toute leur place dans le débat politique en Guadeloupe. Et quand je vois le résultat des politiques publiques depuis 30 ans, je me dis qu'on a vraiment toute notre place. Parce qu'on ne peut pas dire que le bilan de ceux qui sont là soit un succès. On le voit dans les robinets, on le voit sur les routes, on le voit dans les transports. Et je ne parle même pas de ce qu'il y a aujourd'hui avec l'empoisonnement au chlordécone, les sargasses, le CHU. Eh bien, moi, je crois qu'il est urgent de ne pas se précipiter. Il faut toucher les institutions avec une main tremblante. Et cette main tremblante doit, au final, subir la sanction, le verdict de la consultation de toute la population. Donc, je crois qu'il est important de gérer le pays. Gérer le pays, c'est de se poser des questions sur le chômage, sur la sécurité, sur l'emploi, sur l'écologie, sur le développement durable, sur, au final, ce qui nous touche au quotidien et ne pas perdre de temps et de l'énergie à trop vouloir parler d'évolution institutionnelle qui, finalement, disperse, dilue et nous détourne de l'objectif principal qui est de développer notre pays, de soulager les souffrances au quotidien, telles que le chômage, l'insécurité, des jeunes, notamment. Et moi, je suis toujours sur ma position. Hein. Nous considérons que la décentralisation, c'est un échec, puisque l'État nous a transféré des compétences sans transférer des moyens. Et vous voyez que le taux de chômage ne diminue pas, bien au contraire, il continue à augmenter, qu'elle réelle misère en Guadeloupe se développe, puisque l'INSEE même vient de sortir un rapport qui dit qu'il y a 20% de Guadeloupéens qui vivent avec moins de 600 euros par mois. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des Français entièrement français. Nous sommes vraiment à part. Et pour cette raison, je pense qu'il faut que nous imaginions un modèle guadeloupéen. Et pour imaginer un modèle guadeloupéen, il faut que nous ayons de nouvelles compétences. Et il faut donc que la Guadeloupe soit un pays autonome.